Samuel Etienne, avec nous ce matin Fabien Roussel, numéro 1 du Parti communiste français, l'une des figures de l'opposition. Bonjour Fabien Roussel. Bonjour Jeff Wittenberg. Merci d'être avec nous ce matin. Parmi les très nombreuses réactions à l'intervention du président Macron avant-hier, il y a un point qui suscite en particulier le débat et les doutes d'une grande partie de la classe politique et des enseignants aussi, c'est la rentrée fixée au 11 mai prochain. Certains émettent donc des doutes. Quelle est votre position pour votre part? Quelle est votre position? D'abord, le président de la République a commencé à parler de déconfinement. Et en matière de déconfinement, nous voudrions, nous, au Parti communiste français, commencer par déconfiner le droit du travail. Et je vais interpeller la ministre du Travail aujourd'hui pour lui demander de permettre aux délégués syndicaux de pouvoir accéder à leur entreprise pour vérifier les conditions de sécurité et les conditions de travail des salariés qui sont aujourd'hui obligés d'aller travailler. Parce que j'ai été alerté par des délégués syndicaux qui n'ont pas eu le droit d'accéder à leur entreprise pour vérifier cela. Maintenant, concernant l'école, il y a une aspiration de beaucoup de monde à ce que l'école puisse reprendre. Mais il y a aussi beaucoup de craintes et beaucoup de peurs. Et surtout, nous ne voudrions pas que l'école soit transformée en garderie pour permettre aux parents d'aller travailler. Si l'école doit réouvrir, cela doit se faire avec des conditions de sécurité sanitaire maximum, parce que c'est un haut lieu de propagation du virus. Il faut donc protéger les enseignants, ceux qui travaillent dans les écoles, mais aussi les parents qui vont accueillir les enfants après qu'ils soient retournés à l'école. Le gouvernement, ça doit se construire avec eux. Le gouvernement, Jean-Michel Blanquer, qui était à votre place en quelque sorte hier matin dans cette émission, disait justement qu'il allait prendre beaucoup de précautions, que cette rentrée se ferait par petits groupes, peut-être le matin et l'après-midi. Vous faites confiance au gouvernement? Est-ce que vous, déjà sur le fond et sur la base, vous êtes d'accord avec ce retour progressif à partir du 11 mai, ou comme certains, vous préconisez une rentrée en septembre? Je fais d'abord confiance aux enseignants et à ceux qui s'occupent déjà des enfants, puisque les enseignants aujourd'hui sont déjà en train d'accueillir par petits groupes les enfants des soignants, des forces de l'ordre. Et donc, ce sont eux qui sont en train d'organiser déjà cette vie à l'école en petit nombre. Donc je fais d'abord confiance aux enseignants et à leurs représentants syndicaux que j'ai eus au téléphone hier et qui disent que, bien sûr, ils veulent créer les conditions que les enfants puissent retourner à l'école, mais en ayant pris toutes les précautions. Ils formulent des propositions telles que avoir des petits groupes de 10 élèves, pas plus, par classe, peut-être avoir que des demi-journées à l'école. Il faudra certainement embaucher et prévoir des embauches pour le mois de septembre, parce que si jamais nous devions toujours prendre des précautions à la rentrée de septembre, eh bien, il faut qu'il y ait des moyens humains supplémentaires pour cela. Il faut d'ailleurs, nous demandons à ce que la carte scolaire soit maintenue et que les suppressions de classes soient annulées. Donc, je fais surtout confiance à ceux qui sont aujourd'hui concernés en direct, donc les enseignants et les personnels qui travaillent dans les écoles, les collèges et les lycées. Alors, au-delà du problème des écoles, le projet de loi de finances rectificative, autrement dit un nouveau budget pour la France, va être présenté ce matin au Conseil des ministres. On sait que le gouvernement tape sur un recul de 8% du produit intérieur brut. C'est du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que, dans l'ensemble, vous approuvez les mesures d'urgence prises par le gouvernement, en particulier les mesures de chômage partiel, le report des charges? Est-ce que vous en auriez pris d'autres à leur place? Nous avons fait une série de propositions au gouvernement et le Parti communiste a d'ailleurs établi 50 propositions que nous avons mises à disposition de tous. Je pense que pour sortir de cette crise et pour faire face à cette crise, il faut véritablement revoir notre modèle économique et il va falloir faire appel à la solidarité de tous et même changer de modèle économique. Nous avons demandé à ce qu'il y ait des aides qui soient apportées aux plus démunis. Et enfin, il y a une porte qui s'ouvre. Il y avait déjà des aides apportées aux entreprises, que nous avons d'ailleurs soutenues dans le premier projet de loi de finances rectificative. Nous allons voir ce que le Premier ministre va nous proposer dans ces aides aux plus démunis. J'ai entendu que seuls les étudiants dont les parents sont dans les dom-toms seraient concernés. Il y a toute une tranche d'âge 18-25 ans qui n'ont droit à rien. Et qui ne vivent plus chez leurs parents, il va falloir penser à eux. Et puis il y a tous les salariés qui perdent 16% de leur salaire parce qu'ils sont en chômage partiel. Nous avons, nous, demandé ou à ce qu'ils bénéficient de 100% de leur salaire
ou alors qu'ils aient effectivement une aide eux aussi, parce que un salarié qui est à 1300 euros net, eh bien, il perd plus de 200 euros. Quand c'est le couple qui vit cela, ça fait beaucoup. Et quand ça doit durer plus de 2 mois, imaginez la perte que cela représente pour le pouvoir d'achat. Il va falloir mettre tout le monde à contribution et je vais interpeller le gouvernement sur l'évasion fiscale. Je veux avoir la liste justement de toutes les entreprises qui sont domiciliées ou qui ont domicilié leur filiale dans des paradis fiscaux notoires. C'est un autre sujet. Vous demandez effectivement un effort aux entreprises. Édouard Philippe, lui, avait demandé, et le ministre des Finances également, aux entreprises qui bénéficient des mesures d'aide de l'État, de ne pas verser de dividendes à leurs actionnaires cette année. Vous en demandez plus ? Ou c'est déjà... Nous demandons effectivement à ce qu'il n'y ait pas de dividendes versés aux actionnaires. Vous avez été entendu. C'est un effort, nous avons été entendus, mais il n'y a pas de mesures législatives contraignantes. C'est juste un appel qu'a lancé le ministre. Donc nous allons nous faire une proposition pour que ce soit contraint. C'est pour les dividendes 2019 qui devraient être versés cette année. C'est quand même plus de 50 milliards d'euros. Et pour les dividendes de l'année prochaine, nous proposons qu'ils soient taxés à 75%. L'effort devra aller au-delà. Je pose la question au président de la République. Ils sont où les premiers de cordée aujourd'hui ? Ils sont où les premiers de cordée à qui il a fait tous les cadeaux fiscaux pendant 2 ans et demi de son mandat ? Aujourd'hui, les premiers de cordée, ce sont ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui travaillent dans les supermarchés, ceux qui assurent la sécurité, ceux qui assurent les transports, les routiers. Ce sont eux les premiers de cordée. Et c'est grâce à eux que notre pays aujourd'hui fait face à l'épidémie. Ce sont eux qui tiennent la France à bout de bras. Eh bien, nous disons que la refondation du pays, la reconstruction du pays, ça se fera avec eux, parce que ce sont eux les véritables premiers de cordée qui font la richesse de notre pays et sans qui nous ne pourrons pas faire face. Ils réclamaient des hausses de salaire, ils réclamaient des moyens pour pouvoir assurer leur mission. Il va falloir répondre à tout cela. Il faut véritablement changer de modèle économique. Vous pensez que le capitalisme mondial aura disparu après la crise du coronavirus ? Par exemple, les grandes entreprises qui continuent à verser des dividendes, malgré les injonctions du gouvernement, explique par exemple qu'il faudra, lorsque la crise sera terminée, lever à nouveau des fonds et attirer les actionnaires. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Le système aura changé de toute façon. On n'en prend pas forcément le chemin, Fabien Roussel. Oui, mais de nombreuses personnes d'horizons différents du monde du travail, du monde associatif, des ONG, depuis des mois, des semaines, alerte le gouvernement avant même cette épidémie et aujourd'hui en pleine épidémie continue à signer des tribunes, à demander à ce que l'on change de modèle, à ce que l'on redresse la France et en même temps que nous puissions faire face à de telles épidémies dans le futur et que nous abordions enfin la transition écologique. C'est dans ce sens que le Parti communiste français s'adressera à toutes les forces progressistes, sociales, écologistes, pour reconstruire une France qui sera capable de faire face à de telles épidémies, mais en même temps, construira un autre modèle pour produire autrement, pour préserver les êtres humains et la planète. Nous avons besoin pas seulement de mieux redistribuer les richesses, mais de produire autrement dans notre pays. Et justement, Fabien Roussel, vous n'avez pas l'impression que tout le monde reprend ce discours ? Sachons nous réinventer. Moi le premier, a dit Emmanuel Macron avant-hier à la télévision. Est-ce que cette volonté, par exemple, de réindustrialiser la France, la défense des services publics, vous n'en avez plus l'apanage désormais ? Oui, d'accord, mais il y aura la refondation de la France à la sauce Macron et la refondation de la France avec toutes les forces progressistes de ce pays qui, déjà avant la crise, tirer la sonnette d'alarme, demander des moyens pour les hôpitaux, demander plus de pouvoir pour les salariés dans les entreprises, demander à ce que l'on mette les richesses produites au service du développement humain. Tout cela n'a jamais été entendu. Donc, où nous laissons faire ? Et ils le sont aujourd'hui, Fabien Roussel. Ou c'est nous qui la faisons ? Et c'est pour ça que nous voulons le débat le plus large avec toutes celles et ceux qui formulent des propositions depuis des mois. Si nous laissons la refondation de la France au président de la République, ce sera comme avant. Nous ne voulons plus jamais ça. Est-ce que vous êtes opposé ou bien favorable au traçage numérique, si cela peut permettre d'endiguer la propagation du virus, comme le pratiquent un certain nombre de pays ? Le meilleur moyen de freiner le virus, c'est d'avoir des masques et d'avoir une politique de tests massive. Nous voulons être dépistés. Nous ne voulons pas être pistés. Voilà ce que nous disons. Alors, le gouvernement envisage le traçage numérique. Ça ne peut pas être un palliatif parce qu'il y aurait pénurie de masques et de tests. Tout doit être mis en œuvre pour avoir suffisamment de masques et de tests dans notre pays pour tout le monde et pouvoir faire le dépistage massif
le plus complet. C'est cela la priorité. Alors ensuite, le traçage numérique, vous savez, ça ne peut se faire que sur la base du volontariat. Déjà, il faut que les Français acceptent de télécharger l'application. Un Français sur deux, de ce que j'ai vu, accepterait de le faire. Alors s'il n'y a qu'un Français sur deux qui accepterait de le faire, quel poids ça va avoir véritablement? Non, sérieusement, nous avons besoin de mobiliser plus nos forces productives pour produire dans notre pays les matériaux dont nous avons besoin, notamment les masques et les tests et aussi les médicaments. Merci Fabien Roussel, on vous a entendu ce matin. Samuel Etienne, c'est à vous. Très bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jeff Wittenberg. Et à votre invité, Fabien.